Eh bien, salut à tous et bienvenue, je suis LinkLeggies pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne, puisque nous sommes sur Duelist. Avant qu'on parle de quoi que ce soit, je tiens quand même à le préciser, puisque c'est obligatoire, cette vidéo ainsi que les une à deux suivantes qui suivront sont des OPSP. Si vous voulez plus d'informations, eh bien rendez-vous dans la description de chacune de ces 2 à 3 vidéos pour avoir plus d'informations, notamment le lien pour jouer au jeu, puisque le jeu est free-to-play, avec un système de freemium, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Et il est jouable, ben vous n'avez jouable de suite, vous n'avez qu'à vous inscrire sur le site, télécharger le jeu, et c'est parti. Donc, Duelist, qu'est-ce que c'est? Ça a été développé par Counterplay Games, ça a été édité par Counterplay ainsi que Bandai Namco Entertainment. Donc, voilà, j'ai envie de dire du bon matos et ça ne promet que du bon. Ça a été un jeu qui a été kickstarté et qui est arrivé au bout. Et au niveau gameplay, si on devait en parler assez rapidement, on se retrouve à mi-chemin entre un jeu de cartes, comme on en connaît tous, mais en mieux. Et un côté tactical. Tactical, si vous voyez, on va nommer notamment pour les plus anciens, les FF Tactics, ou autres Advance Wars. Vous mélangez tout ça et ça vous donne Duelist. Dans un univers très, très manga dans le design et un jeu en pixels qui a du plus bel effet. Donc, on va très rapidement se faire une première partie pour se mettre en jambes. Et puis voilà, tout simplement. Nous allons sur play. Alors avant d'aller sur play, oui, parce qu'on va, j'ai dit on va jouer, mais attendez, faisons un petit tour de ce qu'on a, à l'écran. Des quêtes, quêtes journalières, comme dans beaucoup de jeux, voilà, vous faites vos quêtes, et vous voyez que j'ai déjà fait une partie, et je gagne 100 gold quand j'aurai fait ma deuxième partie. Avec ces gold, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien avec ces gold, on peut tout simplement aller acheter des cartes. Vous voyez, par exemple, on peut évidemment crafter, désenchanter et crafter des cartes. Donc vous voyez le style graphique, hein, des héros en pixels animés de façon plutôt stylée, je l'avoue, hein, perso, je suis complètement sous le charme de ce genre d'animation, vous voyez. Hein. Donc bien évidemment, des héros différents avec leurs spécificités. Par exemple, vous voyez que Leoner avec l'Archeon, Hi Main, qui a une capacité qui donne aux larbins alliés proches plus 2 d'attaque. Donc voilà, par exemple un autre héros, enfin bref, vous avez bien évidemment ensuite des cartes communes à chacune des classes, à chacun des héros slash champion slash comme vous voulez vous appelez ça, ensuite un système de crafting pour toutes les cartes et on va pas faire toutes les pages. Mais il y en a un ch'ti paquet. Il y en a un ch'ti paquet. Et c'est cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Alors oui, j'avoue, hein, alors désolé, je joue sur un PC un petit peu vieux. D'autant plus que le PC étant vieux, le jeu tourne très bien. Sauf quand on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages. Et du coup, bah ça passe un petit peu moins. Du coup, avec ces pièces, donc comme je parlais tout à l'heure, vous voyez, on peut acheter des Spirit Orbs qui nous permettent d'avoir de nouvelles cartes tout simplement avec, comme je disais, bah, le système de freemium qui en échange de diamants contre de l'argent réel vous permet d'acheter d'autres cartes. On va donc se faire cette fois-ci notre partie. Notre partie en practice puisque bah, c'est la seule chose que j'ai débloquée pour l'instant et pour débloquer la suite il faut que je termine une partie supplémentaire. Et écoutez, on va faire avec le héros de base. Oh, quoique. Allez, le héros classique qui était Leoner, le premier héros que j'ai eu. Et je voyais que j'ai déjà fait un petit peu, j'ai joué un petit peu, voilà, j'ai pas résisté. Histoire de découvrir un petit peu le début et pas dire trop de merde pour la vidéo. Mais du coup, nous y voilà. Leoner Kingdoms, let's go. Play, practice. Apparemment, on est recommandé de jouer contre elle, donc allons-y. D'ailleurs, je sais pas si vous l'aurez noté, mais la BO, la musique, les musiques de ce jeu sont juste énormes. Elles sont géniales. Du coup, à la manière de n'importe quel jeu de cartes, vous avez votre starter deck, on va dire ça comme ça. Vous pouvez remettre dans la pioche pour
les remplacer et avoir de meilleures cartes, puisque là vous voyez que chaque carte demande un coup en mana, par exemple ici 3 de mana, ici 7, donc des cartes plus late, on va dire. Bon bah voilà, on va dire qu'on confirme les 2-7, ça me servira pas pour le démarrage. Et voyez donc, à gauche, l'ennemi, à droite, mon personnage. Je joue en deuxième, donc je suis placé à droite, ce qui fait que j'ai un avantage, pardon, pour atteindre ces 3 stèles qui peuvent me permettre d'avoir un point de mana supplémentaire. Alors, c'est moi, j'ai pas eu le temps de lire. Alors, opening, 1-1, random, nearly. Ok, donc, ça fait pop un truc 1-1, donc 1 d'attaque, 1 de défense, sur un emplacement proche aléatoire. Ok, donc avant de parler du jeu en lui-même, on va un peu décrire ce qu'on a sur l'écran, tout simplement. En bas, mes cartes. Ici, en bas à gauche, vous voyez mon deck, hein, donc on est à 25 sur 40. Le battle log, si vous voulez voir ce qui s'est passé durant le combat. Ici, le pouvoir de l'adversaire. Bon, vu que moi je suis à droite, hein, voilà, mais bon, vous avez le pouvoir du héros en tout cas. Qui se refresh tous les 2 tours. Et celui d'ailleurs de notre adversaire qui est d'invoquer deux esprits proches du général. Ok. Là-bas, la photo du héros avec son nombre de PV ici qui est à 25. Le nombre de... enfin le mana, la puissance de mana, vous voyez qu'il est à 0 sur 2. Qu'il a 5 cartes dans la main et 23 dans son deck. Ici, de mon côté, vous avez la même chose. Le mana qui peut aller donc jusqu'à 9. Mon héros avec les PV et mon pouvoir qui, moi, me permet de donner donc plus de d'attaque à un larbin proche de moi. Bref, du coup, on va y aller vite fait. Hop. On va invoquer. Hop. Hop. Et on met fin au tour. Donc voilà pourquoi je parlais de mélange entre jeux de cartes très connus, comme on pourrait en citer des dizaines, et Advance Wars, Final Fantasy Tactics ou tout ce que vous souhaitez, puisque vous voyez, on se déplace sur un plateau carré avec des cases dans lesquelles on peut bouger avec une distance de mouvement, etc. etc. Ça m'a fait beaucoup penser à ce genre de jeu, et j'avoue que j'étais agréablement surpris, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous savez que les jeux de cartes à la base, c'est pas mon kiff. Ah, je suis pas ultra fan. Mais j'avoue que j'ai été charmé par ce jeu. Déjà parce que la musique est tellement épique. On va faire tac. Donc vous voyez, je sélectionne l'unité que je veux déplacer. Hop. Et je lui dis ce que je veux faire. Notamment ici, attaquer ce petit truc. Celerity, donc qui peut même permettre d'attaquer 2 fois avec ce héros dans un tour. Enfin, par tour en tout cas. Et bien évidemment, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit non plus, une créature ne peut être utilisée que un tour après avoir été posée. Ouais, on va avancer jusque là. Et on va attaquer directement le héros adverse. Oublié. Et fin du tour. Alors pour l'instant c'est assez facile dans l'ensemble puisque c'est le mode practice. Ça sert à débloquer les héros et à se faire une première main en tout cas sur le mode de jeu. Qu'est-ce que... Il fait 1 de dégâts et il se téléporte. Si j'ai bien compris. Attendez, c'est quoi? Attendez. J'ai lu et téléporte, non? Oui, je sais que je peux remplacer. Excusez-moi. Je sais que je peux remplacer, mais alors du coup, attendez. Fait 1 de damage à un larbin ennemi. Et le téléporte. Ah d'accord, donc c'est pas lui qui téléporte, c'est le larbin qui le touche. D'accord, intéressant. Intéressant. Autant d'attaque qu'il a de santé, d'accord. Rush. Tac. Allez. On va faire ça comme ça. Donc Rush qui me permet d'attaquer directement à la sortie, à l'invocation du mob.
et fin du tour. Allons-y, alors on a eu le nécro qui me permet, une fois qu'il est mort, de piocher une carte. Une zone de 2 sur 2 en quoi? Ok, ça met des pics et ça fait un de dégâts. Ok, ça fait un dégât, ok, c'est ça. Bah du coup, ce qu'on va faire... Je serais tenté de faire un truc dans ce style-là. Par contre, il faut que je reste dessus pour que ça me fasse des dégâts, donc on va se dégager tout simplement. Et on va quand même attaquer l'ennemi. Alors, qu'est-ce que tu nous fais de beau? Ah non, t'attaques en face, c'est nul ça. Ah, ça détruit un... Ah ouais, d'accord. Ça détruit un ennemi ou le met à 1-1. Ok. Ah non, même pas, ça détruit un ennemi et ça le remplace par un ennemi 1-1. Oh, c'est classe. Alors oui, je découvre aussi des cartes, hein, puisque, comme je dis, j'ai fait deux parties. Et c'est tout, donc je connais quasiment rien du jeu. Je fais très probablement pas forcément tout ce qu'il faut pour le jeu. Mais je m'amuse, et c'est le principal. Donc là, le petit plus 9 avec provocation, et je pense que là on est bien. On va faire un fin du tour, si le héros ennemi m'attaque, il meurt. Du moins s'il attaque mon chevalier, bah voilà. Ah non! Ah non! Ah la tristesse! Ah, je suis tristesse! Ah, je suis tristesse! Allez, le retour. Allez, qu'est-ce qu'elle invoque dessus? Un serpent qui invoque un truc 1-1, d'accord. Allez, je sors mon golem! Allez, on va claquer le spécial. Ça augmente donc de 2 hein, l'attaque d'une de mes cibles. Enfin, d'une de mes créatures. Bon, tu vas pas t'enfuir cette fois-ci, hein? Ça m'arrangerait que tu ne t'enfuis. Putain, il s'enfuit. Allez! On va lui courir après, hein, je suis désolé, mais j'ai pas le choix. Bon, il l'a pas la portée. Bon, lui, il va m'attaquer, probablement. Il va se faire détruire, hein, voilà. Meurs! Meurs! Ok, il réinvoque un truc. 3! Ah, ça invoque 3! Oh, vas-y. Oh non, il se met sur ma route en plus. Alors ça, c'est relou. Mais ça peut être très drôle. Oh, ça peut être très drôle, attendez. Ça peut être drôle. Bon, on va faire un peu de ménage ici. Allez, on va mettre lui ici. En fait, j'espère utiliser celui du bas là pour claquer les deux mobs qu'il y a au-dessus. Allez. Et on va se barrer à droite, c'est ça? Bon, là, elle fait une invocation. Ok. Un gardien des ombres. Allez, meurt. Très clairement, si je la touche, elle meurt. Dans tous les cas, je la touche, elle meurt. Si j'arrive à arriver devant elle, c'est bon. Oh, mais en fait, elle s'enferme. Ah bah, si elle s'enferme, c'est fini, quoi, j'ai envie de dire. Bon, bah... Ah oui, bon, bah là... j'ai envie de dire que... Oh, attends, c'est quoi comme portée de déplacement? Tu peux aller jusque-là? Alors? Ah non, il est plus à portée. Bon, bah, c'est dommage, ça. Bon, bah, tant pis. J'ai envie de dire qu'on va monter... à 13, 5, et qu'on va lui faire un bon gros coup de hache
In the face. Voilà, c'était pour le plaisir de la, voilà, de la victoire. On vient de passer level 4. Oui, hein, je suis très très bas level. J'obtiens... Au level 4, j'obtiens 3 cartes. Provoque et Zèle, qui fait attaque plus 2. Ça fait du 5-3 pour 3 points de mana. C'est pas mal. En ayant accompli ma quête journalière, j'obtiens 100 pièces d'or, qui me permettront donc, comme je disais, d'acheter des cartes. Et je débloque un nouveau héros avec ses propres cartes. Alors, c'est quoi donc du coup ça, son truc de base, enfin sa capacité spéciale, c'était donc d'invoquer deux fantômes près du général. Quand le général prend des dommages, invoque un fantôme 1-1 proche, d'accord. Invoque un fantôme 1-1 dans un endroit random. Gagne 1-1 à la... Ok. Invoque 3 fantômes 1-1 proches des autres, d'accord. Détruit un larbin ennemi et invoque un fantôme 1-1 à cet endroit. Et franchement, ça a l'air pas mal ce héros. J'aime assez. Ma carte cadeau du jour. Voilà, parce que chaque jour, il y a moyen d'avoir une carte cadeau. Please press anywhere to reveal. I click. Et j'obtiens l'ours boréen. Quand j'invoque une Vespire minion, this minion gain one attack. D'accord, donc quand j'invoque un truc de la classe des Vespires, Vespire, cette carte gagne un d'attaque. Ok, intéressant. Pardon, intéressant. Gagner une game de ladder. Eh bien, je vous propose que ce soit ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo, puisque c'est ici qu'on va s'arrêter pour celle-ci. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. Je rappelle que vous avez toutes les infos et toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le site du jeu Duelist. Pour ce faire, vous allez dans la description de cette vidéo et de chacune des autres qui sortiront pour vous retrouver le lien directement. Vous cliquez, hop, c'est magique, et vous vous retrouvez sur le site. D'ailleurs, hein, j'en profite, mais pour ceux qui veulent m'ajouter en tant qui veulent m'ajouter en tant que mentor, hein, vous pouvez. Voilà, c'est Link le Guise, tout simplement. Et si on peut voir. Ah oui, d'ailleurs. D'ailleurs, voilà, le. Quelque chose, petit bonus de fin de vidéo que je trouve vraiment très très sympathique. Au niveau du profil, donc, on a le sommaire du ladder, donc des saisons, etc. Avec des rubans de bataille, tout ça. Le niveau de chacun des héros qu'on a. Le ranking, vous voyez que j'ai jamais joué en ladder, donc voilà. Et surtout, un historique des parties avec le moyen et la possibilité de faire un replay et de le partager sur des réseaux sociaux, peu importe lequel. Et en fait, quand on le fait, quand on partage, vous voyez, mettons, vous voulez voir ce lien, vous voulez voir ce combat. Eh bien, vous avez ce lien que vous copiez et vous mettez n'importe où, et la personne qui le regarde, ça ouvre directement une fenêtre internet avec la partie. Et j'ai trouvé ça juste excellent, en fait. On peut faire des replays des matchs pour les commenter, peu importe pourquoi. Du coup, voilà. C'est là qu'on va s'arrêter pour cette première vidéo de Duelist. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où on va faire notre premier match de ladder, où on va se faire éclater très probablement. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos aventures. Et d'ici la suite et la rouste que je vais me prendre, eh bien portez-vous bien, et que la funk soit avec vous les amis. Ciao ciao.